Yo les amis, c'est Bobli, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, bonjour Clash. Salut. Salut, ça va? Ça va, ça. T'as vu ma petite amélioration du spawn? Et c'est beau? Ta réaction? Et donc, bienvenue à tous pour ce quatrième... Oui, quatrième, j'étais en train de regarder. Quatrième épisode de notre série Tutoville. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Bien joué, c'est drôle. Et alors, on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous montrer, Clash? Les routes. Les routes. Ouais. Donc ça va être un épisode très court, je pense aux alentours de 10 minutes, juste pour vous montrer les comment faire des routes assez belles, des trottoirs, enfin pas forcément des trottoirs, mais des escaliers, enfin ce type de choses pour pouvoir relier vos bâtiments. Dès que vous aurez commencé votre ville. Donc voilà. Donc c'est bien. T'as commencé à saccager la map là-bas, c'est bien. Et aussi une amélioration, désolé. En dédicace à Blota. Ou Patochic. Qui nous avait demandé en cours. Donc voilà. De enlever ses barrières et de mettre des buissons à la place. Je trouve qu'il avait raison, donc on le fera peut-être tout autour, mais pour l'instant, voilà. Et je vais même rajouter ça. Voilà, je trouve ça fait stylé. Que fais-tu? Tu commences? On laisse l'architecte Clash. Attends, diplômé et tout. Ouais, bah oui. C'est sûr. Donc je te laisse, je vais mettre un split system D. Je vais essayer les escaliers, je suis pas trop doué à ça. Ouais, voilà, donc principe, nous toujours des demi-dalles, ça fait genre trottoir, puis ça fait beau, ça fait fini, épuré. Ouais. Donc dans votre inventaire, moi je mets toujours ça, de la cobble, des demi-dalles quand je fais les routes, des demi-dalles en cobble, des escaliers comme ça. Ça c'est nouveau, on va le mettre. Des comme ça, puis c'est déjà bien. Quoique les en stone brick, on va pas trop faire. Ben voilà, tu gères. Donc voilà, nous notre style c'est, vous avez vu nos bâtiments, on fait à base de cobble, de bûches, de bois, style, on va dire un peu médiéval, même si c'est pas exactement ça. Mais donc dans nos escaliers, on fait comme ça. Ou pour poursuivre la continuité de ça, vous pouvez mettre des trucs plus lisses, plus design. Donc je sais pas, t'en penses quoi? On met quoi là? Oh, t'es où? Ben là, sur ça. Enfin... Ah ouais, c'est plus beau comme ça. Oui. Ou soit comme ça, soit vous mettez des demi-dalles. Alors l'avantage des demi-dalles, c'est que quand vous courez vite, et ben les demi-dalles ne vous ralentissent pas. Que quand voilà, vous courez vite, les escaliers, ben ça vous ralentit. Alors, si vous utilisez des demi-dalles, soit vous faites ça, mais ça ferait une sorte de trottoir qui s'arrête là. Soit, ben, vous mettez comme moi des trucs comme ça. Je sais pas ce que je fais là. Moi, je vais mettre des demi-dalles, pareil. Et donc, à ce compte-là, on peut donc, voilà, faire comme ça. Se maintenir au niveau de la route. Je vais essayer parce que, voilà, j'ai envie d'essayer. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais... là... Pareil... Voilà, donc on va pas tout faire, c'était juste pour vous montrer, pour que vous puissiez vous débrouiller ensuite, même si on pense que vous débrouillerez même sans nous, mais c'est pour vous donner nos conseils sur les routes, donc voilà. Je pense que ça fait vraiment... un design, moi j'adore ça. Je sais pas si ça te plaît, toi. Vas-y, bah, sinon je ferai pas, sinon. Voilà, donc Clash qui est en train de faire les routes. Moi je trouve ça nickel. Voilà. On passe à la suite. On va pas tout faire maintenant. Je sais pas. On va faire.
Bah continue, moi je vais commencer à montrer alors ben le design des mets des au lieu des middle tu mets ça. Voilà. C'est quoi ça? C'est des middle en cobble, t'en veux? Non, attends, t'as entendu un bruit? Ah non. Ah, je te jure. Bouh. Mais je te jure, c'est dans le jeu. C'est dans le zéro. Ouais, ça veut dire il y a une mine. Tu peux me passer une demi-dalle en machin, j'ai la flemme de la chercher. Je vais la reprendre de toute façon. Ah merde, je l'ai pas eu vu que j'ai trop d'objets. Fais appui sur la molette, sur la demi-dalle. Tu vises la demi-dalle, t'appuies sur la molette. Voilà. Voilà. Les lampadaires, alors. Vous avez déjà vu sur la mairie, si vous avez regardé l'épisode précédent. Si vous voulez pas regarder, bah ouais. Voilà, je savais, c'est bien que tu dises ça. Attends. Alors, les lampadaires, vraiment plein de designs différents. Donc, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Donc, pour commencer, alors c'est des. Je les montre rapidement ici. Hein, c'est un éclairage au sol, comme ça. Donc, voilà, ça c'est intégré dans le sol. Ensuite, vous pouvez faire la même chose comme ça. Donc la torche de redstone ne se voit toujours pas. Ensuite, dernière solution, c'est vraiment que vous fassiez comme ça. Que vous prenez, par exemple, moi je trouve ça rend bien avec une belle bûche de pin foncé. Tac, tac. La redstone traverse ce bloc. Donc voilà pour le design. Moi j'aime particulièrement celui-là. Ouais, et aussi celui-là ça va, mais ça fait trop cubique, mais bon, c'est pour vous donner des idées. Ça va, t'avances bien? Nickel. Ouais, voilà, donc mais je l'ai encore nous deux. Ouais, ensuite on va passer, donc là c'est pour les lampes à redstone, hein, mais bon, ça peut pas marcher partout. Là on va passer à du je viens d'avoir une de ces idées. On va passer à du plus concret, donc plus concret, pourquoi je dis ça? C'est juste de oui. Ah, was a sin. Alors ensuite, troisième type de lampadaire, 3 4, moi je vous conseille même d'aller jusqu'à 5 pour être sûr de pas gêner. Et ça, nice. Et ça, j'ai raté mon coup. Voilà, ça c'est, je pense que vous verrez ça dans vraiment beaucoup de serveurs, c'est une base. Ensuite, il y a des gens qui font avec ça c'est ça. Donc vous pouvez même faire ça sur ceux-là, hein, ça marche aussi. L'entourer, ça donne un style. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, hein. Un certain style. En dessous, il y en a certains qui mettent même des demi-dalles comme ça, ou même en bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça fait à peine gros. Faudrait genre presque mettre aussi une trappe, mais bon, on ne peut pas, c'est pas grave. Ah mais j'aurais pas dû l'enlever. Moi je viens d'avoir l'idée vraiment sur le coup. C'est de mettre une base en bûche. J'adore vraiment les bûches. Donc je vais essayer de voir ce que ça rend. Voilà. Ça fait peut-être à peine haut, vous pouvez redescendre d'un bloc. Donc je vais en laisser un comme j'avais fait. Moi je préfère le laisser simple. Ou alors il y a aussi, vous le descendez d'une bûche, vous le mettez comme ça. Ça c'est vraiment. Je trouve que ça fait assez moderne. Ça fait des presque des vrais lampadaires, hop, et vous faites comme ça. Voilà, moi j'aime bien, ou même sans. Et la petite astuce, c'est que en haut on peut même pour cacher plus voilà. Ah mince, ça va pas d'habitude. Ah, attends, je crois que j'arrivais à en mettre avant. Mince. Ah non. Ah ben non. Non, bah on peut pas mettre, désolé. Vous dites, t'as pas une bonne nouvelle ou une annonce assez surprenante à leur annoncer?
Ouais. Ton disque dur, c'est magique. C'est qui a se passé? Ah non, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, ouais. On vient de faire Ah si. plusieurs vidéos, mais mon disque dur était plein. Donc voilà. Oh, bien joué. Donc voilà un aperçu des routes, des lampadaires que j'ai pété, je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que je vais mettre des comme ça partout. Donc je le fais pas partout, c'est juste parce que c'est pour vous montrer. Le but c'était de vous montrer. Ensuite, puisqu'on est sur du plat, je vais vous montrer ensuite plusieurs idées que qu'on a. Donc ah mince, j'ai enlevé la plaque de pression. Hop, bah je reprendrai si jamais j'ai besoin. Alors voilà, donc je te laisse finir. Certaines personnes mettent ça tout du long. Ça peut faire ça peut faire un genre. Voilà, pour vous montrer, je vous donne plein d'idées là. Vraiment, ce qu'on veut, c'est vous montrer des idées. Là aussi, ça fait des dalles qui sortent du sol un peu. Puis en plus, ça fait dans la continuité de la pierre. Moi, là, je vais laisser ça comme ça. Moi, je vous propose là de faire des buissons. Tout simplement. Des simples buissons. Alors, pas trop long. Jamais faire trop long. Assez symétrique. Même. Peut-être même, enfin ça perd de la place, mais peut-être même à 1 de distance de. Quoique, non. Comme ça, voilà. Voilà, des petits buissons, tout simplement. Donc je vous donne encore quelques idées. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme astuce que j'utilise? Voilà. T'as des idées, toi, à donner? En parlant, toi, tu fais ta route. J'ai ma redoute, j'affonde dedans là. C'est bien, c'est bien. Bon travailleur. Alors c'est pas fait pour être après, mais voilà, aussi comme Mais en ça. tout cas, le mur il fait plus chier qu'autre chose, le mur. Voilà, comme ça. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez même. Moi je personnellement j'adore. C'est faire comme ça. Oh Voilà. merde, cherche. Et maintenant, avec ben, la nouveauté qui date quand même d'il y a un certain moment, même mettre à la place de ça. Hop. Dégage, connasse. Tu Celui-là, parles à qui? une poule. Comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien tout, hein, moi. Donc voilà, Attends. vous pouvez faire ça comme ça. Je trouve ça. Ben, voilà, ça rend bien. Donc voilà toutes les idées que j'ai pu vous donner. Vous pouvez même en mettre par terre. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits massifs. Vous pouvez même donc le feuillage qui est transparent. Hop, moi je le fais assez souvent. Pas forcément à chaque morceau de feuillage, mais tous les deux ou même tous les trois. Une petite lampe comme ça. Ça éclaire et c'est discret en même temps. Moi je trouve ça nickel. Je crois que je vais laisser comme ça, ce bout-là. Ne jamais faire, par contre, ben, je viens de le dire il n'y a pas longtemps, tout le long. Faire des buissons, enfin, quelque chose comme ça, tout le long de la route, sinon ça fait une route trop fermée. Donc, voilà, faire de temps en temps quelques massifs le long de la route. Même des fleurs directement par terre, ça, c'est la base. Et puis voilà, pour les massifs, c'était assez long, donc pour les massifs le long des routes, désolé pour le time day. Hop, donc l'épisode est assez long, c'est bien, t'as fini ta route. T'as d'autres astuces, t'as d'autres choses à donner, je pense c'est tout, hein. C'est Non. l'épisode. Après les routes, comme ça fait beaucoup plus propre. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a Ça différentes fait routes, peut-être mais super gros, mais franchement, ça fait c'est propre. propre. C'est propre. Vous pouvez même faire à seulement 3, vous mettez une dalle, une pierre, une dalle. Enfin, sans ça. Ça le fait aussi. Mais nous, On peut comme faire aussi, ouais. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu viens de montrer, des trucs comme ça. Ou des Ah oui, poèmes après. voilà. Ça fait un peu trop gros après, je Mettre pense. des. Non, mais mettre des dessins comme ça. Voilà, faire des motifs dedans. Oh, Ah c'est bah beau tiens. ça. Ouais, ça rend Ouais, bien. ça rend bien. Voilà, ben on a des idées sur le coup, donc voilà, c'est bien. Merde. D'autres astuces, t'avais pas 2-3 trucs à parler? Non? Non, à part T'as pas entendu, toi t'es travaillé. Voilà.
C'est bien. Alors voilà, bah, je pense que c'est tout. On voulait aussi vous montrer en rapport avec les routes, les ponts, si jamais vous avez des lacs à passer, mais ça on verra plus ça quand on se rapprochera de là-bas. Oh Des non, pas ça maintenant, jolis non. ponts. Non mais l'épisode on. Je pense que c'était déjà assez long. C'était un épisode spécial conseils et astuces en rapport avec les routes, tout ça. Là tu peux même faire comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On va arrêter là. T'es d'accord? Fini. Ouais, fini. Moi en attendant, je parle de la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère. On espère vous avoir aidé. Donc Clash qui a fait sa route. Moi qui vous ai montré les lampadaires et les massifs le long des routes. Ça, c'est pour embellir votre ville, hein. J'espère que vous en servirez de nos astuces. Ça nous fera vraiment très plaisir. Merci d'ailleurs pour les combien d'abonnés. Je suis allé voir il y a quelques heures. Les 370 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a quelques temps, on faisait à peine l'épisode 3, on était à 300 abonnés. Là, on est à 370 à l'épisode 4. C'est Je me rappelle vraiment. aussi quand on était au tout début du premier épisode, les 10 abonnés étaient tout contents et tout. Ouais. Donc là, on est vraiment heureux. Et puis, donc, merci à tous aussi pour le nombre de vues qui monte. On est à 45 000 vues presque. Donc, on est content que ça vous plaise. Continuez de nous suivre, de vous abonner, tout ça nous fait vraiment plaisir. Et si t'as rien à rajouter, eh ben je vais conclure. Même si j'ai déjà conclu. Même si on est un peu. Enfin, les vidéos, on n'a pas tout le temps. Ouais, On va essayer de ah vous oui, en ça, faire. ça. C'est vrai, on est désolé, mais on n'a pas vraiment le temps. Quand on s'est promis que qu'on arriverait à 350 abonnés, donc en gros c'est déjà fait, on s'était promis de faire au moins une vidéo par semaine pour vous contenter en fait. Et parce que aussi ça nous fait plaisir. Nous c'est pas parce qu'on veut pas qu'on fait pas de vidéo tout le temps, c'est qu'on peut pas. On a, pour ça. Des problèmes techniques. Hein? Ouais, Disque dur, ben. tu devrais leur montrer ton disque dur comme il est beau. Mon disque dur qui est tout le temps plein. Mais bon, ça va s'arranger. J'ai juste à aller en acheter un. C'est pas fini partout. Enfin bref, c'est pas grave. On va améliorer ça. Et puis voilà. Donc c'est tout. Nickel, c'est magnifique. Donc voilà, quatrième épisode. J'espère que ça vous aura plu, les gens. Et bien, à la prochaine Clash. Pas tout de suite. Ouais. À la prochaine. Pourquoi de tout de suite? Je reste là. D'accord. Reste dans ta ville dont tu es le maire. Et à la prochaine, les amis. Salut tout le monde. C'était Bobli et c'était Clash. Allez.